Moi, tu sais, je suis un bâtard avec les meufs, j'ai pas envie de te faire ça à toi. Dis ouais, moi, je suis un bâtard avec les meufs, quand je suis avec elles, je refais un peu la misère. Moi, tu sais, je suis un bâtard avec les meufs, j'ai pas envie de te faire ça à toi. Bon, clash de la drague, c'est parti, vous êtes prêts? Ah, j'ai envie de rigner, moi, là. Tu veux faire pipi? Alors, on va faire, on va écouter le son de Wiz Khalifa et d'Iggy Azalea que je vous avais promis, qui est super. Go hard or go home. La BO de Fast and Furious 7. Et puis, juste après, on fait le. On attaque. On fait le clash de la drague, d'accord? Ouais. Allez, c'est parti. On peut savoir vos méthodes déjà. Faites-nous rêver, allez-y, faites-nous rêver. Soyez beau gosse, soyez séducteur. Donnez l'exemple à tous les gars qui nous écoutent. Donnez l'exemple à nous tous, Cédric et Robano. Ouais, ouais, ouais. Ah, Cédric veut donner l'exemple. Allez, vas-y. Bien, Robano, peut-être que tu pourras prendre exemple sur Cédric. T'as là, on parlait là des grèves de tête là. Ah, moi, je vais faire la grève du sexe. Je me suis fait greffer un nouveau sexe. Ah, parce qu'il sentait mauvais. Non, rien à voir. Je voulais changer de sexe. Dit l'autre jour. Ah, en fait, c'est la méthode quand j'avais fait de la chirurgie esthétique de la bite, quoi. Rien à voir, là, on en parlait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. C'est un genre de chirurgie esthétique, Cédric. Bon, c'est pas grave. Non, je vais changer de méthode. Ça y est, déjà, je l'ai déstabilisé. Non, c'est pas grave. Alors, vas-y, la deuxième. C'est comme ça que tu vas dire, ouais, t'as déjà pris ma méthode. C'est comme tu veux, Cédric. Non, mais c'est toi qui vois. Je vais faire le retour de vacances. J'étais en Belgique pour la première semaine. Le retour de vacances, c'est étonnant. Et bah ouais. En même temps, tu fais bien de le faire là, ouais. Bah oui, parce qu'on est rentré aujourd'hui. Laisse-toi pas déstabiliser. Donc, retour de vacances, je reviens de Belgique. J'ai niqué que de la Belge. Et là, j'ai envie de faire l'amour avec une femme française. Très bien. Ah, bah ça, c'était la méthode quand j'étais marin que j'ai fait un moment, ouais. Ah non, rien à voir. Et toi, Robano, alors moi, c'est la méthode. J'ai baisé toute la semaine. J'ai rendez-vous demain avec une femme. Et j'aimerais avoir l'avis de la famille sur mes sous-vêtements. Donc, je vais leur présenter 2-3 slips différents. Et on finira par baiser, quoi. Ouais, j'ai déjà fait, c'est un défilé. Sexy. Ah non, il n'y a pas de défilé, moi. Si, bah, tu vas leur montrer tes sous-vêtements. Mais moi, mais je leur montre, je défile pas. Bah, bon, alors, voyez, c'est bon. Je montre. C'est une méthode que j'ai déjà faite. Bon, c'est un truc. Je resterai debout sans défiler. Même Marie, ça l'a fait réagir. Bon, on les laisse continuer à s'engueuler pendant le son de Wiz Khalifa. Allez, Wiz Khalifa et Iggy Azalea, écoutez tout de suite le clash juste derrière et dans un instant direction l'Espagne. Clash de la drague, c'est parti. Allez, c'est parti mon kiki. Kiki. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Allez hop, on va trop Romano ce soir. Cédric. Bah Cédric, c'est moi, le seul, l'unique. C'est le clash de la drague. Alors ça fait plusieurs fois que j'entends des parasites. Des parasites pendant le jingle. Vous les entendez les parasites ou pas? Ah non, moi j'ai entendu le jingle, était bien comme d'habitude. Pas de parasites dessus. Ouais. Ils sont là tous les deux, ils sont très beaux. Ben ouais. 50 nuances de graisse, voici Cédric. Eh ouais, c'est moi les femmes, je suis là. Ah, il est là pour vous. Je suis là ce soir pour vous toutes. Et vous tous. Pour tout le monde. Ouais, bah oui, parce que sinon je me foutrais dans la merde. Il est là pour tout le monde. Tu es là pour tout le monde, Romano, toi aussi. Ouais, je suis là. Il est là pour tout le monde. Je suis là, ma team. Et je compte sur vous. J'espère que vous êtes là aussi. Ce soir, on lui fait mal au cul. Bon, on a vos deux méthodes. On passe tout de suite aux appels. Là, c'est parti. Allez, vas-y. 22h32. On n'est pas en avance pour le clash, mais c'est pas grave. Vous écoutez bien tout ça. Vous pouvez les encourager. Ils aiment bien. Et puis, pendant ce temps, Cédric nous montre comment séduire. En quelques secondes, vous allez voir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est qui? Ouais, c'est Seb. Ouais, c'est qui? Comment ça va? C'est Michel au téléphone. Michel. Ouais, Michel. Enfin, moi, je te connais pas trop. Je connais un petit peu ta femme. Je t'appelais ce soir-là parce que je suis rentré de vacances et puis, bah, du coup, j'ai pas fait l'amour de la semaine, là, et j'aimerais bien voir ta femme. Histoire de parler un petit peu avec elle. Allô? Il y a un blocage. Sébastien? C'est qui? Bah, tu dis que c'est Michel, le beau gosse. Quel Michel, le beau gosse? Bah, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Tu dis Michel, le beau gosse. Tu dis que j'ai fortement envie de la voir, là. Je vais ramener un petit cadeau, là. J'ai un petit truc tout chaud pour elle. Ouais, sur moi. Bah, je peux venir à la maison. Ouais. J'ai envie de faire l'amour, moi, ce soir. Ouais, bah ouais. Viens, le fusil, il est là. Elle m'a manqué très fort, ta femme, tu sais. Le fusil est là. Ouais. Tu veux qu'on fasse l'amour avec ton fusil? Allô? Laisse-moi tranquille. C'est qui? Bah, je te dis, c'est Michel, je vais venir à la baraque, là. Qu'est-ce que t'as? T'es en panique, mec? Non, je suis pas en panique, c'est qui? Bah, je vais faire l'amour à ta femme ce soir. Ouais, sur moi. Bah ouais, dis-lui. Dis-lui que Michel le beau gosse arrive. Ouais. Qu'elle se prépare, la belle. Elle m'a manqué. Je vais lui faire un gros câlin. Allô? C'est pas la race. Sébastien? Non, mais il a raison, ils sont pas la race. Non, ils sont pas la race. Ah non, ils sont pas la race. C'est la race. Ah non, ils sont pas la race. C'est pas grave, il sait pas à côté de quoi il passe, Cédric. C'est ce que je te dis. Mais non, ils sont pas la race. Ah, si, complètement. Mais non, il sait pas à côté de quoi il passe, regarde. Mais c'est. Non, ils sont pas la race. C'était lent, là. Non, c'était pas long. C'était lent, c'était mou. Ta gueule, mon Dieu, que Cédric répond lui que c'était sensuel. C'est ça l'amour, mec. Tu connais rien, toi. Ah ouais, c'est clair. Bon, alors c'est qui, là? Daniel. Ah. Allô, Daniel? Ouais, bonsoir, comment tu vas, toi? Ah bah, j'aurais mieux que le dernier coup, hein, quand t'es m'appelé que j'étais à l'hôpital. Ah bah oui, bah ça va mieux depuis.
T'es crotti. Ah, comment chamaille-t-il, toi? Je crois qu'il te manque. Bonjour. Ah, chamaille, ta petite femme, oh. Bonjour, tout dit, hein. Ah, comment chamaille-t-il, la tchotte? Bah, chaud, tranquille. Ça va. Parce que je serais bien pas chez vous voir, là. Oh bah, vas-y, je t'attends. Hein. Ah, tu m'attends, hein. On se mange un bout de maroilles et puis après, je niquerai ta femme. Oh bah, ouais, t'es beau, ouais. Ah, elle a les trous en état, là. C'est bon, ah, mais c'est les trous qui sentent le maroilles. Ah, les trous, ils sentent le maroilles ou pas? Bah, tu peux, mais bon, ah, c'est normal. Peux, hein. Tu peux, il y a des poils aussi. Ah, des poils, ah. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah j'arrive dans 5 minutes, hein, je mets des bières au frais et puis on mange un bout de maroilles et je nique ta femme avec le maroilles. Ouais. Ah bah nickel. Okay. Ah bah je te dis à tout de suite. Ouais, d'accord. À tout de suite, mon tio. Ouais. Bisous. À tout à l'heure. Ah. Ouais. Ah. Bisous. Et voilà. Mais je sais pas pourquoi il t'a pris les nordistes. Mais lui en tout cas il t'a pris pour quelqu'un. Il t'a dû prendre pour un pote. Tu imites tellement bien le nordiste qu'il t'a pris pour son pote. Bah pourtant au début je ne l'imitais pas parce que je savais pas qu'il était nordiste. Ah tu m'as appelé à l'hôpital. Ah tu es à l'hôpital. Tu l'as appelé à l'hôpital. Ah bah évidemment j'avais pris des nouvelles. Donc là il attend donc son pote, sa femme, un maroilles entre les cuisses. D'après ce que j'ai compris. Ça, le tel sent le maroilles. Ou la chatte qui sent le maroilles. C'est bon ça. Bon on va. Je crois qu'il y a un but là. Oui, égalisation de la Roma face à la Juve. À 10 ils égalisent quand même sur leur terrain. Cédric, à toi. Allez, deuxième tour. Oui, on te remet à deuxième tour. Et après, on va chez qui? Pourquoi faire? Le on deuxième va chez tour. José. Pour José. Ah. Pour séduire, faire rêver la femme. Imagine-toi, Romano, t'es une femme, t'es derrière ta radio, t'entends Cédric qui commence à draguer. T'es dans quel état? Ah, kiff. Bah, allô? Quoi, je décroche pas. Allô? Ouais, José, comment ça va? C'est qui? Bah, c'est Michel, je suis de retour de vacances, ma poule. Tu vas bien? Ah, bah, il s'en bat la race. Allô? José? Oui. Ouais, dis donc, tu m'as manqué pendant une semaine. Ah. Ta femme, elle est à la maison? C'est qui, hein? Bah, c'est Michel, le beau gosse. Enfin, c'est comme ça qu'elle m'appelle, la belle. Allô? José? Ça galère un peu, là. José, faut parler, là. Non. Putain, José, tu vas pas me faire ce coup-là. Bah, je crois que si. C'est un espagnol, peut-être, on parlait de l'espagnol. Appelle-le José. José, tu m'as oublié ou quoi? José. José? Ça va la race. José, ta gueule, toi. Pourquoi ils s'en battent la race? Je sais pas. Ces gens ne savent pas à côté de quoi peut-être ils passent. Peut-être qu'il y a un mauvais truc, tu vois, il n'y a pas le feeling. Il te mérite peut-être pas, Cédric. Ouais, raccroche-le, tu vois. Tu crois qu'il te mérite pas? Bah ouais, il me mérite pas, moi. Ah, en plus, t'abandonnes donc. Bah non, mais il parle pas, je peux pas parler d'abord. Bah, il fallait assister, hein, mon pote. Bah, non, à un moment donné, tu sais draguer ou tu sais. Pour toute ta gueule, tu dis, s'en bat la race. Bah non, mais bon, je commente un peu. Bah, toi, non. Ah, ils s'en battaient la race. Non, le mec qui était pas. Ah, mais reconnais. Réceptif. Ah, mon charme, je crois. Pas réceptif à ton charme, c'est ça. Ouais. Bon, à toi, deuxième coup de fil. Je prendrais bien une autre famille, tiens, moi aussi. Ouais, mais logiquement, c'est fini, là. Ouais, bah écoute, on va faire un troisième. Ah, tu la prends un mercredi, ouais. Non, non, ce soir. Alors, c'est qui pour moi? Georges. Je peux avoir de la sensualité, s'il vous plaît? Alors, comme ça. Allô, Georges? Oui. Ouais, bonjour, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Bah, ça va et ta femme? Bah, ça va. Ouais, ça va bien. Bon, dites, vous faites quoi, là, ce soir? Vous êtes pas encore couché, là, de toute façon? Non, pourquoi? Ah, bah, je vais passer. Parce qu'en fait, je t'explique, demain j'ai rendez-vous là, et je voudrais choisir les plus beaux sous-vêtements. Donc je vais amener plusieurs modèles, et ta femme choisira le plus beau. Bah écoute, en gros, je viens là. J'amène 2-3 slips différents, je les essaye devant ta femme. Celui qui lui plaît, je lui fais l'amour avec. Donc je suis là dans 5 minutes. Vous avez des capotes, c'est bon? C'est quoi ces conneries là? Ah bah c'est les conneries, c'est que je vais culbuter ta femme ce soir, quoi. Ouais. Je crois qu'elle va prendre cher. Et toi aussi par la même occasion, coquin. Pas de jaloux. Un petit coup dans le pot, hein. Un coup dans la chatte. Voilà. Bon, j'arrive, mon Georges. Tu m'attends? S'en bat la race. Georges. Cédric. Georges. Il s'en bat la race. Ouais, mais bon, pour le moment, c'est moi mal barré que toi. Georges. Je crois qu'il en a rien à foutre. Non, je suis en train de parler avec mon porc domestique là. C'est bizarre, mon téléphone. Qui est très très intelligent ce soir. Bah ouais, parce qu'il parle. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dingue ça d'avoir un porc domestique. Il parle. Georges. S'en bat les couilles, gros. Mais non, mais c'est toi, mais tu lui as fait porc. Non, non. Tu lui as fait porc. Tu lui as fait porc. J'ai dit, il s'en tape l'oignon. Tu lui as fait porc. Tu lui as fait porc. Ah bah, il en a rien à foutre. Non, non, mais moi, je raccroche pas. Eh bah voilà. Georges. Ah, c'est long, putain. Oh là là. Georges. Ah, c'est long. Georges, mon amour, j'ai envie de te montrer mon zizi. Oh là là. Georges, bon, mais parle. Non, il s'en fout. Mais attends, j'ai entendu ta femme, Georges. T'as accroché à la gueule là. Ouais, mais moi j'ai pas abandonné, moi, parce que j'abandonne jamais. Tu lâches rien. Ouais, enfin, le finish, gros, il a fait quoi? Il a pas parlé plus qu'avant. Bon, on arrête ou on fait un autre? Ouais, viens, on fait un autre. Fais un autre. Il y a des familles. Ah, je suis fatigué, moi, c'est la reprise. T'as tout donné, c'est ça?
Bah, sur bah il fait la baltringue. Non, vas-y, si tu veux. Mec, il fait la baltringue, c'est pas grave, je suis habitué avec toi. Ah, bah, en même temps, je peux comprendre que t'as envie d'un autre tour. Allez, on y va. Station, mon pote. Bah, ouais, moi, j'ai pas eu de bonne famille ce soir. Je pars comme toi, tiens, je vais me plaindre. Quand même, allez. Quand même la détresse. Y a pas si longtemps que ça, t'arrêtais pas de chialer, tu nous faisais chier d'ailleurs. Tout le monde le savait, mec, que les familles que j'avais, c'était de la merde. Bah, là, c'était mon tour, là. Allô, n'est chez qui? Alain. Allô, Alain. Oui. Comment ça va, Alain? C'est qui? Eh ben, c'est Michel au téléphone. Michel. Ouais, je suis de retour de vacances, là. Je t'appelais parce que ta femme m'a manqué très très fort, tu sais. Michel qui? Bah, Michel le beau gosse, elle m'appelle comme ça. Je suis un de tes voisins. Elle t'a pas parlé de moi? Bah, non. Bah, c'est bizarre, pourtant. Ah, bizarre, tiens. Je suis venu deux, trois fois à la maison chez toi, puis bah, on était bien proches, quoi. Je pensais qu'elle t'avait expliqué l'histoire. Bah, vous êtes qui? Je vous connais pas. Bah, moi, je connais bien ta femme. Tu dis que c'est Michel le beau gosse. Allez, sors les rames du con. Je crois que je vais venir lui faire l'amour, ce soir. Bah, vous êtes qui? Bah, Michel, le beau gosse, ça fait 4 fois. Mais qui es-tu, c'est vous appelez au commissariat de police de Béthune, ici? Bah, ouais, ouais, bah justement, je voulais me taper ta femme ce soir au commissariat de Béthune. Bah, viens. Ah, bah, je vais arriver, puis je vais lui faire l'amour. Ouais, tu vas t'accueillir. Hein. Elle a encore la matraque? Ouais. Et les menottes, parce qu'elle adore jouer avec ça, ma chérie. Bon, bah, j'arrive, là. J'arrive dans 2 minutes. C'est la ramure, là. Non, non. Allô? Ouais, bah arrive. Ouais. Tu vas me faire l'amour un petit peu? Tu vas avoir une bonne rafale. Dans les fesses? PM. Oh, j'espère dans les fesses au moins. Ouais. Ah, ça m'a manqué ça, putain. Ah, bah écoute, j'arrive et puis bon, on fera l'amour tous les deux, puis après je m'occuperai de ta femme. Ouais, bah tu vas avoir une rafale PM que tu vas te bloquer. Ah, oh, j'adore ça, j'ai mon chéri. J'ai 3 collègues, là. Ah, bah on va faire une partouze alors. C'est l'heure de partouze. Allez, salut. Ah, bah c'est une partouze. Ah, bah génial, merci, j'arrive. A tout de suite. Oh, t'étais sensuel voilà. À la fin. Une partouze, mon pote. Sensuel à la fin. Alors, Romano. Bah ouais, grave. Tu la ramènes-moi, ta grande gueule. Ah non, là. Mais c'était la ramure, mon pote. Eh non, c'était pas la ramure. Oh, c'est pas trop où tu voulais en mec, finir, je vais me taper sa femme, après je vais lui faire l'amour, et puis bah, après, on finit en partouze. Bah voilà, et puis là, le mec s'est barré, là. Partouze voilà. Dans un commissariat. Eh oui, c'est ça. Et l'autre, il y croit. Hein. Scénario de film de cul, quoi, limite. Vous avez vu, nous écoutez encore le commissariat. Il a juste de raccrocher. Eh, là, écoutez bien, moi, je vais baiser à l'Elysée, là. Non, mais la commissariat, mon pote. L'Elysée. Un vrai film de cul. Ouais, beau gosse. Ah, t'as vu le mec là? Allez. Beau gosse, regarde quand même. Oh, bah quand je vois ta gueule, ça me rassure, tu sais. Oh, bah t'es pas bam difficile. Dans les dents, man. T'es pas difficile. C'est bien pratique qu'on soit à la radio. Ah ouais. Quand on réfléchit bien comme ça. C'est clair. Bon, Romano, le. Alors, vas-y, c'est qui là? Jean-Michel. Bordel de merde. Ah. Jean-Michel. Jean-Mich. Allô? Oui. Ouais, Jean-Michel? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas toi? Ça va. La petite femme va bien? C'est qui au téléphone? Eh, c'est Jean-Louis. Un ami de ta femme, un intime. Bah, je connais pas du tout. Eh, bah oui, bah ça, d'habitude, t'es pas là, ouais. Et je vais passer vous voir, là, ce soir, là. Mm-hmm. Ouais, parce qu'en fait, il faut que je choisisse un slip pour demain. Mm-hmm. Et ta femme a très bon goût à ce niveau-là. Ok, pas de problème. Et puis, du coup, après, on fera l'amour, tant qu'on y est. Pas de soucis. Ouais, bah voilà, tous les trois. Impeccable. On mélangera nos corps, nos organes et vos slips. Y'a pas de soucis. Je te mettrai ma bite dans la bouche, dans le cul. Oh. Ben voilà. Là, il a raccroché. Là, j'ai serré juste avant. Là, quand ça devenait sexuel, il t'a raccroché à la gueule, mais le mec. Si j'ai serré juste avant, tu m'as baissé tous les trois. Voilà, c'est réglé. Hein. Bon, les lovers, c'est parti. Alors, ta nouvelle chanson, Romano. C'était François Hollande, exactement. Oui, merci, Jacques Brel. C'est François Hollande. Eh, ouais. D'accord. Ouais. C'est parce qu'il a la voix. Ah, bah, bien sûr. Il croit en plus. On a parlé à François Hollande. Alors, attends, parce qu'il faut que je me mette dans mon dedans. Là. Ah bah alors, ouais. Cédric, à toi. Ouais, vas-y. C'est quoi les paroles de ma chanson déjà? Alors, c'est I'm in love with Romano. Bah, tu vas pas lui rappeler ça. Il faut voter Romano. Ouais, c'est bon, bon là. I'm in love. Oh, ouais, il le rappelle. Vas-y, on voit le bois. Salut. Bon, Cédric, d'abord. Allez, du con. C'est incroyable ça. Allez, du con, fais ta déclaration. Parle bien, dis fou. Attention. Non, c'est toi qui déclare, hein. C'est pas Diffoul qui déclare pour toi. Go. Il serait bien emmerdé d'ailleurs. Parce que allez, vas-y. Moi, j'ai fait un putain de serrage ce soir. Ami de la police nationale et de la gendarmerie, ce soir, je ferai l'amour dans l'un de vos commissariats. Je ne sais pas lequel encore, mais je vais y aller. Ce soir, on va faire l'amour avec 3 flics plus un couple. Tu peux arrêter là? Eh là, t'es un peu lourd là. Romano, je crois que ta machine est déréglée. Non mais il casse les couilles. Il est lourd mais c'est incroyable. Sa déclaration répare ta machine. Non mais c'est incroyable ça. Attends, je vais débrancher. Ouais, abuse-toi. Débranche, donc tu peux. Vas-y, aller. Débranche. C'est bon, c'est débranché? Ah, je vais rebrancher là. Ah, vas-y, ok, ouais. Bon ben moi ce soir je fais l'amour à Alain avec ta femme. Partout en prévision pour ça voter c'est vas-y, tu casses les couilles gros. Eh, t'es relou, c'est incroyable putain.
Ah, c'est vrai. Putain, t'es mauvais joueur, mais c'est incroyable. Ben, y a pas être mauvais joueur. Mais si, mais tu J'ambiance pètes les couilles. Ta déclaration, et à un moment donné, il faut arrêter de mentir aux gens. Ben, gros, c'est ce qu'il a dit, c'est le mec qui l'a dit. L'honnêteté, c'est ce qu'il a dit. Mec, je vais lui faire l'amour, je vais l'attacher avec les menottes, la matraque, le mec était d'accord, quoi. C'était sexe. Donc, pour ça, voter Cédric. Là, c'est pas moi, regarde. Elle sent les mains. Ouais, non, c'est Karim. Je l'ai pas vu. C'est pas moi, gros. Ouais, t'inquiète pas, toi. Bon, alors, on va le sur l'écran, je déclenche les bruits. Ouais, bien sûr. Non, mais sérieux, tu veux que je te. On a un écran tactile, mais il marche avec du crachat. Et bon appétit, bien sûr. Ça, mais t'es vraiment. Ah ouais, mais ça marche en plus. Tu craches sur l'écran. Non, mais je sais que ça marche. Ça coule. Attends, mais fais un autre. Ah, écoutez bien. Karim, mets-toi bien derrière. Ouais. Écran tactile. Ah non. Là, ça marche pas. Il se fait vomir. Non, mais fais un vrai mollard. Vas-y. Alors. Ça y est. Mais t'arrives à mettre sur la scène. Ah, ça ça dégouline dessus. Ah ouais, donc ça joue tous les trucs. Voilà. Ça y est. Non, ah bah non. Ça va faire ça toute la soirée. Oui, ils y sont beaucoup. Hein. Ah, parce que personne va les tuer, l'autre va cracher dessus. Et si, gros, avec un papier. Voilà, bon. Mais alors, une question. Est-ce que c'est normal qu'un écran tactile, il marche avec du crachat? Mais je sais pas, tu veux pas que j'essaye sur ton iPad? Non, merci. Sur ton iPhone. Prête-moi ton iPhone. Non, mais ça le fait des fois le matin avec Carole quand elle postillonne sur l'écran du téléphone. Ouais, parce qu'elle baffe beaucoup. Ah ouais? Oui. D'en haut et du bas. Non, putain, j'ai pas envie d'essayer. Oh. Bon, on a fait cette déclaration. Alors, allez, c'est parti. T'es prêt? Le prince du hip-hop, vous êtes prête maintenant? I'm in love. Je sais même pas à quel moment. Attends. Romano. Attends. C'est à quel moment que je dois chanter? Mais tu vas arrêter de lui donner ses paroles, toi, l'autre. Attention, Romano. 3, 4, ici. I'm in love with Romano. Ce soir, faut voter Romano. Ok, ouais, tu n'es pas dans le temps. Non, regarde, Romano. Comme ça. Attends. Attends. Allez, vas-y. Amina, tu vas chanter ta mère. Oui, Romano. Il faut voter Romano. I'm in love with Romano. Putain, tu m'as dégoûté de la chanson, je te jure. Il faut voter Romano. Ah, ça, j'ai mis envie de laisser. Est-ce que tu as nous déclaré, Romano? Bon, bah, ce soir, moi, vous avez entendu un peu le massacre au niveau des familles. Première famille, bim, clair, ouais. Un bon nordiste. Ah oui. Château Maroal ce soir au programme. Le Maroal est intégré dans la chatte de la femme. A priori, il nous l'a dit lui-même, elle sent un peu. Une chatte au Maroal. Ouais, ce soir, on boit un petit coup, on baisse tous les trois. Et là, à l'instant, là, sur le dernier coup de fil, eh ben, vous avez eu une belle démonstration. Un serrage en règle, défilé de Slibar, bim, derrière, je les culbute tous les deux. Eh ben, pour tout ça, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Je vous aime, c'est notre entrée, faites-moi plaisir, votez Romano. Eh ben, top, on y va pendant 5 minutes. Pas pour l'autre veau. Ouais. Non, ça peut être mercredi, la suite de la chanson alors. 41-759, la piste Skyrock et tous les réseaux sociaux pour encourager Cédric ou Romano, les restes du clash dans un instant. Ouais. Oh, les restes du clash que je vous donne immédiatement, je les ai là. Restes du clash de la drague de ce soir. J'espère que tu vas gagner, Cédric. Ah bah j'espère aussi, poteau. Ah, qui a dit ça toi, qui gars. A dit cette merci, merde ma gueule. C'est Pierre. Moi, je balance, moi. Merci, Pierre. C'est Pierre. C'est Pierre. C'est moi, Pierre. Je l'ai vu, maîtresse. C'est noté. Je l'ai vu, c'est Pierre. Ouais. C'est Pierre, il est pour Cédric. Pierre fait partie des 31% des auditeurs de Skyrock qui ont voté tout à l'heure pour Cédric. Cédric, tu fais donc 31%. Romano, tu fais 69%. La victoire est donc donnée à Romano ce soir. Tu crois pas, Romano? Je sais pas, c'est chelou comme t'as fait là. Et non, c'est l'inverse. Ouais. Hein Cédric. Ah non, c'est pas l'inverse. Non, Romano 69, Cédric 31. Oh bah ça va. Une petite reprise bien sympathique. Merci public d'amour. Non. Je vous aime. C'est peut-être grâce à Pierre. Allez. Pierre, ça fait mal au cul. Hein, laisse Pierre parler. Oh, mais Romano, c'est de la triche parce qu'à chaque fois, même quand tu fais des méthodes de merde et que tu sais rien, à chaque fois tu gagnes, c'est pas normal. Mais ça arrive, ça. Alors, pour ta petite information, ce soir j'ai serré deux fois, Cédric a serré une fois, donc c'est logique que je l'ai. Mais moi, je fais une partouze, gros. Dans un commissariat. 31, malgré la partouze, Cédric. Bah ouais. Non, mais y'a que toi qui croyais, espèce de. Non. Comment va dire mercredi est un autre jour. Ouais. Une victoire à zéro pour ce mois de mars. Non, je suis pas bébé. Elle est pour Romano. Allez, viens faire la photo. Non, je Non, mais j'aimerais bien faire une photo, tu vois, genre tu te mets à genoux. Je te mets à genoux dessus. Ouais, tiens. Une photo un peu sacrée. Non, mais c'est. Viens, sérieux. Non. Allez, viens, je te mets. Non. Non, mais j'enlève ma chaussure. Non, mais je te mets C'est pire.
c'est un ouf, et ouais. Tu lui lèches le pied après. Bon, bah, tu vas me foutre dans la gueule, je vais tomber par terre. Tu lui pèses les pieds après. Tomber dans les pommes. Bon, photo, elle est faite, ça y est. Ah, là, avec est, avec la coupe, elle est pour toi la coupe jusqu'à mercredi. Ouais. Merci en tout cas, merci à vous tous, ça fait bien plaisir. Et merci pour vos votes à vous tous. Belle rentrée. Et pas pour tout le monde, mais pour moi, ça va. Bon, alors, le voyage scolaire de Pierre.